Et le ministre Jean-Yves Duclos est avec nous. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Madame Bégin. Bonsoir, Esther, et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Ça faisait des mois que Bombardier vous demandait d'aller en appel d'offres. Pourquoi avoir choisi d'accorder le contrat de gré à gré à Boeing? La réponse est simple, c'est que les besoins de la défense nationale sont criants en matière d'avions multimissions et que le seul appareil qui peut répondre à ces besoins légitimes et importants, c'est l'avion du P-8 de Boeing. C'est le seul avion qui peut le faire en temps opportun puisque les avions existants viennent à la fin de leur vie. En 2030, ils ne pourront plus opérer et que les seuls appareils qui peuvent remplacer cet avion qu'on appelle le CP-140, c'est le P-8. Mais je reviens quand même au principe d'appel d'offres. Bombardier a répété autant comme autant qu'il était capable de construire un avion de surveillance. Le patron Éric Martel a même dit « on ne demande pas la charité, si on gagne, on gagne, si on perd, on perd ». Pourquoi ne pas avoir donné la chance aux coureurs quand même? Donc, à nouveau, l'objectif est de répondre aux besoins importants et urgents de la défense nationale. Tout le monde convient, y compris Bombardier, que ces besoins ne peuvent pas être comblés par un nouvel appareil d'ici 2030, l'année à laquelle les avions existants ne pourront plus continuer de voler. L'enjeu de la sécurité nationale est clair. Il faut donner aux forces armées canadiennes les outils dont ils ont besoin pour défendre le pays, mais aussi défendre les intérêts du Canada à l'étranger. On sait que le Canada est appelé à prendre un rôle encore plus important sur la scène étrangère. La géopolitique se complique rapidement avec ce qu'on voit en Ukraine, en Chine et ailleurs. Il faut que le Canada soit à la hauteur des besoins des Canadiens et des besoins de ses alliés. Parlons du contrat comme tel, 8 milliards canadiens pour acheter 16 appareils militaires. Boeing s'engage donc à créer des emplois chez nous. Quelles vont être les retombées économiques de ce contrat? Pour chaque dollar du contrat qui va aller à Boeing, il y a un dollar qui va revenir au Canada. Boeing a déjà presque 560 fournisseurs présentement et il va y en avoir davantage qui vont s'ajouter. Ça va créer à peu près 3 000 nouveaux emplois, à peu près 400 millions de revenus additionnels pour les travailleurs par année au cours des 10 prochaines années. C'est parce que Boeing a une chaîne d'approvisionnement qui est déjà fortement installée au Canada, y compris au Québec, et que les investissements qui vont découdre de cette entente d'aujourd'hui vont être significatifs partout au pays, y compris dans la grande région de Montréal. À Montréal, il y a Héroux, DevTech, il y a la CAE, il y a d'autres entreprises et d'autres partenaires qui vont profiter de cette nouvelle entente. Avez-vous des garanties que les coûts des avions ne vont pas exploser? L'entente est une entente basée sur un prix fixe. On connaît déjà depuis quelques semaines le prix que Boeing demande pour ses 16 avions. Donc, c'est connu. C'est connu aussi quand ces avions vont commencer à être livrés. Ça va être en 2026. Les gens, les forces armées, les aviateurs vont déjà commencer à être formés d'ici 2026 pour pouvoir utiliser ces appareils. On va mettre à jour l'infrastructure. Il va y avoir ensuite des contrats très importants au cours des 30 à 40 prochaines années pour l'industrie aéronautique au Canada pour faire la mise à niveau, la maintenance de ces appareils. 2026, ça arrive vite quand même. Est-ce que vous avez des garanties aussi que les appareils vont être livrés dans les délais? Ça devrait être le cas parce qu'à partir de 2026, il y a un appareil par mois qui va être livré. Donc, d'ici à 2027-2028, tous les appareils vont être arrivés au pays. Une fois que les appareils sont au Canada, bien là, il faut faire des tests, il faut les mettre à niveau, il faut former des aviateurs et des techniciens avec les appareils réels au pays. Donc, il y a du travail qui sera à faire aussi après 2027. Sur les réactions maintenant à cette annonce qui a été officialisée aujourd'hui, Bombardier, bon, on le sait, c'est un fleuron de l'économie québécoise. Votre décision, ça a créé un ressac au Québec. Le chef du Bloc québécois a dit que le gouvernement fédéral écarte le Québec. Le premier ministre Legault dit que c'est malheureux. Il déplore qu'on oublie le Québec. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ce n'est pas une question de Québec versus le restant du pays, parce que Bombardier, qui est effectivement un fleuron, ce n'est pas juste un fleuron au Québec, c'est un fleuron pour l'ensemble du pays.
Bombardier avec les avions qu'ils proposaient, la plateforme de base qu'ils auraient dû développer davantage. Ce sont des avions qui sont assemblés en Ontario. Il y a à peu près presque 50 % des emplois reliés à cet appareil qui sont en Ontario, plusieurs au Québec, certains ailleurs au Canada. Donc, c'est une industrie, y compris pour Bombardier aéronautique, qui est répandue, étendue à travers le pays. Et c'est la même chose pour Boeing. Les investissements de Boeing, $1 d'investissement pour chaque dollar de contrat, ils vont profiter beaucoup aux travailleurs de l'industrie aéronautique au Québec et dans la grande région de Montréal, à Mirabel en particulier. Mais au-delà de ça, est-ce que vous comprenez que la pilule peut être difficile à avaler au Québec? Mais à nouveau, Bombardier est une entreprise pan-canadienne, tout comme Boeing a des partenaires et des fournisseurs pan-canadiens. On l'a vu aujourd'hui dans les réactions des différentes entreprises, y compris au Québec, qui ont bien vu et qui ont bien reçu l'annonce de ce contrat à la compagnie Boeing. La bonne nouvelle, c'est que ces entreprises sont déjà en relation avec Boeing. Et la meilleure nouvelle encore, c'est qu'ils vont pouvoir profiter d'investissements encore plus importants avec cette annonce d'aujourd'hui. Le patron de Bombardier s'est déjà plaint du manque d'intégrité et du manque de transparence dans la fonction publique fédérale, dans le processus d'attribution des contrats. Est-ce que vous vous attendez à des poursuites de la part de Bombardier? À nouveau, l'enjeu est très simple. Il n'y a pas d'avions et il n'y en aura pas d'ici 2030 d'avions qui peuvent répondre aux besoins de la Défense nationale pour ces services qu'on appelle de multi-missions. Ce sont des avions complexes. Il est possible que d'autres entreprises, au cours des prochaines années, des prochaines décennies, développent des avions qui répondent et qui répondront aux besoins de la Défense nationale au Canada et ailleurs dans le monde. Mais pour l'instant, il n'y en a pas et il n'y en aura pas dans les prochaines années. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'investissement. On sait que Boeing, comme d'autres entreprises, y compris General Dynamics, qui veut s'associer davantage avec Bombardier, vont continuer à faire des efforts pour moderniser leurs capacités à la fois technologiques et industrielles, de répondre aux besoins qui vont continuer à être croissants en matière de défense nationale au Canada et partout sur la planète. Jean-Yves Duclos, ministre de l'Approvisionnement, merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci et bonne fin de soirée à tout le monde. Merci à vous aussi. Merci, au revoir.